Et salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, que le lundi n'a pas été trop difficile pour la reprise. C'est le début de semaine, mais bon, allez, on est à 4 jours de la fin de la semaine, donc on va s'accrocher. Pour en revenir à ce que j'ai dit hier par rapport à la dernière vidéo que j'ai mis un peu spéciale par rapport à la médaille que j'ai décrochée sur Extrême. Donc voilà, pour le prochain défi que je vais faire aujourd'hui, effectivement, j'ai dit que j'avais mis la moto d'une certaine couleur, comme ceci, et mon petit personnage que j'ai mis. Comme on va le voir tout de suite, parce que le circuit est dans le thème de la jungle. Voilà, mon petit bonhomme qui est très sympa. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à quelque chose. Alors effectivement, c'était pas très difficile. Effectivement, on va voir avec le circuit que mon personnage va bien se fondre dans le décor. Et je trouve que ça rappelle Star Wars, le retour du Jedi. Donc voilà, donc petit clin d'œil à la suite qu'on va avoir d'ici l'année prochaine et qui apparemment devrait être... ça s'annonce bien, hein, on va retrouver les acteurs qu'on aimait 30 ans plus tard et ça s'annonce bien, donc j'en ai profité pour faire un petit clin d'œil. Et c'est vrai que ce personnage-là avait la moto blanche, et eh ben finalement je me demande si je vais pas le garder parce que je trouve que ça pète vraiment bien. Donc voilà, alors on va aller directement sur... Le défi à faire. Voilà. Donc, Club des experts, il nous reste deux défis à faire. Donc, la prochaine fois, ça sera le dernier. Parce que les deux qu'il y a ici, c'est juste des défis avec le petit bonhomme ou des figures à faire, comme j'ai dit. C'est pas ce qui est intéressant à montrer. Mais ici, il nous restera le dernier cratère à terre qu'on fera la prochaine fois. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on va faire Gymkhana dans la jungle. Alors, c'est un circuit qu'il faut finir en 1 minute 50 maximum et il faut pas faire plus de 7 fautes. Alors, on va voir que c'est un circuit qui est très technique dans le sens où il est sans arrêt en train de monter et il faut super bien gérer sa moto et la physique du bonhomme pour se pencher en avant et arriver à monter et voilà. Donc, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on va voir plutôt dans ce circuit qui est technique à ce niveau-là. Allez, je prends le circuit. La moto, et on se lance, c'est parti. Allez, grosse concentration, et que la force soit avec moi. Allez, on est parti. Voilà, donc balançoire, bon, rien de particulier. Et à partir de là, on va commencer à faire de la montée. Allez, c'est parti. Hop là, bien géré. Ici, une autre balançoire. Voilà. Bon là, c'est pas grave, on recommence. Allez, impeccable. Alors, je suis très concentré, hein. Voilà. Allez, c'est pas grave, on le reprend. Allez, on passe ici. Hop là, si on fait ça, on stresse pas. On reprend. Voilà. Ici, on atteint cette plateforme là. Et c'est pas grave, on recommence. Voilà. Ici, cet arbre, il me faut bien mes deux roues dessus pour prendre de la vitesse et arriver à sa hauteur, à la hauteur de cette plateforme. Et ici, alors ici c'est le truc chiant à la fin où il faut, voilà, arriver ici et passer. Alors c'était chaud, j'ai fait 6 fautes. Hein. Et honnêtement, à l'entraînement, toujours pareil. C'est un circuit que j'arrivais, allez, on va dire avec une faute hein, à la fin, 3 fautes de temps en temps. Et là forcément, comme c'est que de la montée, c'est pas évident, mais bon, allez, défi réussi. Il y a des choses qui n'étaient pas très folichon, mais bon, le tout c'est quand même de réussir à le faire en direct. Donc bravo. Encore une médaille d'or. Voilà. Et je vais être niveau 57. Très bien. Voilà. Et j'ai fait un temps de 1,28. Voilà. Donc, alors ma prochaine vidéo risque de mettre un peu de temps à arriver parce que, comme on va dire que c'est la dernière, mais la dernière, on en reparlera
avant les suivantes. Voilà, je vais préparer un petit truc qui va me prendre un petit peu de temps. Et comme je sais qu'il y a quelques petites personnes qui me regardent, donc j'en profiterai pour en parler aussi dans la prochaine vidéo. Voilà, je prépare un petit truc qui j'espère voilà, sera sympa pour le dernier défi du club des experts. Voilà. Donc je vous dis à tous et à toutes une bonne soirée et à la prochaine pour le prochain défi. Ciao ciao!